Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe Bombard Media now là depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Ministre Agriculture, Ressources Naturelles et Développement Rural PIA distribué 45 tracteurs à 25 pompes l'eau by plusieurs responsables, association producteurs agricoles dans le département Nord et Nord-Est PIA. Et nous voulons faire connaître responsable d'une par une première phase système addiction de l'eau potable dans la localité Sarazen dans la commune Mibale. C'est information ça nous porter pour si c'est première fois visiter nous information nous partager intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Nous voulons saluer tout le monde qui suit nous ici dans Haïti et tout le monde qui suit nous à l'étranger. Eh bien nous pas perdre de temps, n'a pas commencé. Cool yeah. Plusieurs associations producteurs et responsables bureau agricole communal Bakio dans département Nord et département Nord-Est recevoir 45 tracteurs, 19 pompes 3 à 4 pouces, 6 pompes 12 pouces, après signature un accord lundi 22 juin 2021, dans le local bureau départemental agricole Nord-Est, en bénéficiaire à gouvernement haïtien à travers le ministère de l'Agriculture. C'est une initiative président de la République, Jovenel Moïse, qui a fait promesse dans l'inauguration sans cap produit semences dans Nord-Est. Le ministre de l'Agriculture, Patrick Sever, fait connaître. Distribution ça rentre dans quatre démarches pour voir en place là pour mettre manger disponible et puis contrer carré produit cap sorti l'autre côté cap vendre sur territoire haïtien. Matériel ça va servir dans production du riz et puis permettre de l'eau arriver sur quelques parcelles. Tracteur ça va me préciser pour tout le monde qui a côté là, c'est des tracteurs pour le travail la terre mouillée, ça veut dire du riz. C'est pas des travail qui va des tracteurs qui la pour le travail dans terre sec parce que des petits tracteurs c'est garde accessoires avec eux. Si vous n'êtes pas là pour aller dans la terre sec, c'est des tracteurs de 35 à 47 HP qui sont là pour travailler dans la terre mouillée. Les tracteurs, nous avons plusieurs lots là-dedans. Il y a un lot pour Bakio, parce que le ministère de l'Agriculture met un focus en pile sur Bakio, parce que pour Bakio, il y a un service. Bakio, pour ne pas qu'on ait un cap de là, c'est le bureau agricole communal qui est dans la zone qui est durée là-dedans. En plus, il y a des organisations ou du moins des entreprises qui ont service en paysannéa. Ce n'est pas des entreprises qui font créer, c'est des entreprises qui l'ont depuis longtemps. Si nous prenons Clé, si nous prenons FAMSA, si nous prenons toutes ces boutiques agricoles, nous bénéficions des tracteurs parce que nous-mêmes, ce n'est pas nous créer. Nous vivons là, nous avons service. Nous, juste accompagner eux, mais il faut dire pour la presse tout. Dans l'accord qu'il signe à Mounsayo, nous tout fixé pour l'abouage. Pour les gens qui ont laboué à Témouillé, nous ministère a fixé à 5000 euros. Une organisation bénéficiaire, collectivité lutte contre l'exclusion sociale clé, félicite le gouvernement haïtien pour l'initiative. Il fait connaître, il recevra tracteur à Propsayo dans un bon moment, côté auquel il travaille pour produire plus manger, surtout pendant la période coronavirus. Là. Je dis à c'est un plaisir pour clé. Pour capable venir recevoir matériel ça on a mais bureau agriculture et Nord-Est là donc dans optique pour capable encadrer paysans ou bien mettre plus terre en valeur donc comme nous constatons par rapport à la pandémie COVID-19 là qui permet tout l'autre pays fermer porte par rapport à Haïti donc moi-même m'a voyé beaucoup de aïe bobo pour le président donc parce que il était pensé à Nord-Est et pour ne pas dire le grand Nord pour capable bail agriculture yon bourade. Activité ça a été déroulée en présence du directeur général ministère docteur Brandy Eugène, à directeur infrastructure agricole là Marc Edouard Jejus. Ministre Patrick Sever à 13 délégation a profité visiter plusieurs grands chantiers administration en place là à exécuter dans la région nord et nord-est. Parmi l'autre travail barrage à réhabilitation canal qui a fait sous la tannerie dans la commune Grande Rivière côté plus passé 500 monde à travail dans le projet ça et puis barrage Marion qui c'est une plus grosse priorité président de la République là qui prend servir pour bail courant à aux états à club encore. We'll be right back.
était réalisé, mais avec collaboration nous tout bail technicien qui était sur place, les était des petits problèmes de jour en jour, bagaille était qu'une antigen plus ou moins allait bien. En pile des fois nous avons des petits problèmes côté on connaît comment situation est dans pays nous, mais nous était toujours bail présence nous, manifester présence nous pour soit de loin ou bien de près pour activité était toujours prolongée. Et bon, je ne sais pas que des paroles là en pile. Et moi-même, ça me veut dire en plus, et moi remercie le directeur général, nous, moi remercie M. Getchen qui était toujours mis à la disposition, M. Cédric Gardin et M. Zachary, nous sommes toujours mis au courant de comment l'activité a marché, qui est qui nécessaire pour me faire présence, pour me là ou bien pour me faire un message passé. Bon, tout le monde connaît, dit pas dans le pays, c'est lui-même qui est responsable de la question de l'eau. Pour bailler toute population de l'eau dans le pays d'Haïti, nous ne sommes pas épanouis parmi ça. Dîné Bagay pour le faire. Ville de Mébalais, c'est une côté qui gagne une ville qui a grandi. De jour en jour, ville a grandi. Si nous avons des noms là, c'est là que l'eau qui a alimenté la ville. Mais en plus, la population a grandi, c'est en plus que nous avons besoin de l'eau pour servir parce que nous ne pouvons pas vivre sans l'eau. Si de ça, monde qui scientifique qui dit quoi un monde composé de 75% de l'eau, ça veut dire il faut qu'on toujours à entrer de l'eau dans le corps pour vivre. Ça c'était un petit bref rappel. Mais ça me connaît dans deux mots de pour me dire moi me félicite le travail là, mon travail là bien fait, ok, de l'eau a fini, de l'eau a coulé bien, il y a allé la ville, il y a allé ceci. Mais non, petit flyers m'a regardé, moi j'ai un pile bagaille qui dit la donne. Moi t'as aimé que tout ça a dit c'est vérité effectivement, mais ça qui t'a dit on t'a tout profité deux mots m'a dit pour me dire localité Bassarazin yo et Bassarazin qui composé de en plus localité là-dedans yo on connaît c'est Bassarazin et nous bien localité Marouge moi qui mentionné là c'est à 10% de l'eau là-dedans nous bien Fejamba qui cité sans doute Feja beaucoup gain de l'eau moi gain Ba Feja surtout yon parti là Blanchard pour que de l'eau. Je demande aux autorités comme une bonne deuxième phase qui peut faire pour voir comment ils peuvent toucher la zone ça. À cause de petits travaux, nous avons une nécessité pour nous, avec accord de bailleurs qui ont accepté pour nous faire travaux en régie. En régie, a veut dire que vous utilisez propre capacité technique, mais vous êtes capable en même temps fait appel à d'autres moyens matériels et ressources humaines pour être capable de complémenter ce gain qui existait. Nous connaissons que dîner pas jusqu'à présent pas suffisamment d'engins lourds pour gros travaux ça a été fait, mais tout au moins n'a pas marché avec accompagnement bailleurs quel était USAID, que l'été Banque Interaméricaine de Développement, que l'été Banque Mondiale, que l'été Coopération Suisse, et dans ça, c'est la coopération espagnole qui, depuis des années, t'a accompagné nous dans la première phase projet, mais finalement nous venons aboutir jeudi à la. M'a rappelé pour nous tout captant de m'la, gardé m'la au niveau de la télévision, que réseau ça, li existait depuis 1971. En 1996, grâce à yon ONG qui versait dans l'eau, Potos, eh bien, yon est arrivé construit Jean Kazek la Sodila, premier réservoir de 500 mètres cubes là, entre autres installation hydraulique yon est arrivé fait. Mais nous avons nécessité après un diagnostic que un film te fait pour nous te, tout au moins penser à réhabilitation. Mais chemin faisant, après l'Union européenne, c'est la coopération espagnole qui vient prendre compte, côté que bon premier parti travail là, Jean ambassadeur Pedro Serrano Sanz, te sodi là, dans audio là, eh bien, coopération espagnole te aide à réaliser premier parti travail là. Mais nous avons une difficulté avec le film qui t'a exécuté. Laisse à moi un simple cadre en dedans du Népal qui vient faire que le parti contre ça a été arrivé résilié.
Mais l'aime vini en 2017, nous te prend engagement avec Aurée Passante et avec accompagnement de coopération espagnole, entre parenthèses AECID, pour nous te finaliser travaux. Et premier montant, m'a dit journaliste qui l'a cap plein note à travers Dieu met nous saute voyer toute information yo et nous saute voyer audio ou bien audio, et vidéo et ambassadeur y a capable joindre toute information ça yo en dans dossier. Eh bien coopération espagnole t'a accepté consenti au montant de $300,000 pour te faire travaux yo. Et travaux ça yo d'abord c'est construction de deux kiosques, une Bel Air et puis l'autre la Maroutière, parce que m'a dit nous dans sous Maroutière côté hier là son sous qui ont capacité de plus de 60 litres par seconde et jusqu'à date c'est entre 19 et 20% de production sous là que nous prend. Ça veut dire que là avec extension zone ville nous d'aller avec toute zone qui avoisine le Jean Cazec la Saudi là au noir, eh bien nous avons nécessité pour nous passer dans la deuxième phase. Pour nous continuer dans ça n'était capable les porter travaux nous poser en bataille ça nous les tuyaux polyéthylène haute densité qui à différence de PVC yo flexible et puis yo plus durable. Nous poser près de 2 km tuyaux et puis nous gain nous réhabiliter et réservoir de 500 m3 là nous en fait lundi 500 m3 nous voulons parler d'un réservoir de plus de 132,000 gallons d'eau et nous réhabiliter air captage côté que là et ou pral wè pi devant caméra yo pral entrer dans ça relais dans chambre de vanne côté que nous capter de l'eau pour pral wè toute installation qui fait pendant que nous pral et dans deuxième phase là que USAID pral financer pour nous à hauteur de $2 million américains. Alors nous te prend un petit retard pour travaux ça te finaliser pour qui ça c'est par le fait que d'abord nous te vinn joindre une demande au niveau lorsque la tombe pour arriver juste l'hôpital Mibalet. C'est ça qui fait dans ce sens ça à travers M. Jean-Denis Lordeis qui est responsable bureau dîner par en dans Mibalet, nous avons nécessité pour nous poser près de 1 km de tuyaux, ça veut dire au niveau de la ligne d'adduction. Ligne d'adduction, c'est de l'eau brun et puis pour transporter l'autre côté, mais pas pour distribuer. Mais au niveau de la distribution, nous poser plus de 6,4 km tuyaux. Ça veut dire que côté Belay, côté zone La Tombe, côté et au niveau centre-ville, côté Fort à Cheval, côté au niveau de Pélig, ou à bénéficier de ressources là. Mais faut dire nous, c'est graisse cochon pour coup de cochon. Ça veut dire nous pas capable de bailler de l'eau sans que nous pas joindre moyen pour nous kembe système là vivant. Vivant qui ça? Dis ne pas faire business de l'eau. Dis ne pas son service public lié. Pour une idée, côté Nieland dans mes balais, de qui prix un réseau capable de coûter, c'est prendre nombre de monde dans Kassa qui c'est 7000 bénéficiaires. On multiplie le par 90 dollars. Donc, combien de temps nous t'apprend pour nous te garantir un retour d'investissement qui a avoisiné plus de $2,100,000? Ou pas t'apprendre ça? C'est ça qui fait que nous demandons une contribution pour nous acheter à sanre le chlore là. Mais ce n'est pas chlore qu'on va utiliser, c'est chlore concentré qui vient, en fait, il y a le lien en anglais, high test hypochlorite. Ça veut dire qu'il y a un pourcentage de chlore de entre 65 et 70% de chlorox là-dedans. Alors que soit utilisé la tawa, c'est 25-35%. Ça veut dire qu'il faut que nous achetions un transaïo. Nous avons une pompe doseuse. Son pompe doseuse qui a sorti en Espagne.
eh bien, situation corona fait que l'IPACO vini. Là encore, ce sont des investissements. Eh bien, faut me dire tout. Retard là expliqué par une autre situation. Parce que moi entré dans dîner pas 5 avril 2017. Depuis 2018, nous avons commencé à attaquer de ça jusqu'à ce que au début de l'année 2018, travaux ça a commencé. Mais bon, réalité que tout le monde n'est pas capable de nier. Pays là. Moment là. Et de tout moment là, ça a eu, qui ça a eu comme conséquence, il y a eu retard des travaux, ou tu commences à faire une fouille, ou tu commences à poser un tuyau, et bien autant de entreprise là, ou bien entrepreneur de mon cher, les papes carrés dans la zone là, ou bloqué, pays là, caoutchouc, etc., qui viennent faire que, et bien, travaux ça a eu retardé alors que c'est un travaux qui est là pour durer environ 6 mois, de 2018 à date. Et nous venons jouer une troisième complexité, c'est la négociation avec bailleur. Entreprise là, ou bien entrepreneur encadré là, Dieu consacré, eh bien, il y a des coûts additionnels qu'il y a à un moment là. Là. Eh bien, travaux a passé de 300 000 dollars, il est tombé à 459 000 dollars. Dîner pas pas gain 159 000 dollars. Dîner pas pas gain l'argent, la caisse là. Dîner pas pas gain l'argent sous compte li. Le dîner pas gon cob sous compte li, son cob son l'argent virtuel lié. Ça veut dire que faut qu'on gain permission bailleur, ça relé dans langage technique la non objection du bailleur pour dépenser 100 dollars là-dedans. Sinon c'est cob bon. Sous dépenser et mais puis devant l'état haïtien à travers gouvernement qui existe ya, et dans cas ça m'a parlé de administration Joseph Jout avec son excellence Jovenel Moïse pour avoir des difficultés parce qu'il faut qu'ils remettent un cob que ou pas de autorisation pour dépenser. Donc, nous, tu es obligé de faire face à plusieurs situations. Ça. Et m'a dit, nous, la Constitution a bon droit pour faire manifestation, pour faire tout sauver dans la limite de la loi. Mais moi-même, je gonfle fardeau sous tête moi parce que faut mal négocier avec Baïa pour me dire Baïa au lieu de 9 mois. C'est 1 an, c'est 2 ans, et puis Baïa dit non. Le Baïa dit non, et bien moi-même, qui besoin pour service l'arrivée la caillou, je ne suis pas capable de faire l'arrivée à cause de situation ça. Yo. Et m'a demandé nous, et bien, ou même qui besoin de bénéficier de l'eau à travers financement coopération espagnole, à travers financement DAI de l'USAID, eh bien, à travers Banque mondiale, à travers d'autres institutions, m'a demandé, eh bien, Baïdi n'est pas possibilité pour nous vraiment entrer dans la logique promesse campagne président pour nous bal dire comme ça que c'est menti la baille, parce que des fois, nous avons l'argent, et puis Baïa dit comme ça que par une condition, environnement sociopolitique là, pas qu'on permette lui, parce que le papa risque un investissement, côté que citoyen la caille, à bref, on dit, pour voir un coup baou, et puis qu'on y a là autant de travaux commencés et puis travaux campés. M'a dit non, avant de finir, coopération espagnole aidez-nous en pile. Gon ensemble de travaux qui réalisés. Que on prend travaux d'abord au niveau de la phase adduction, eh bien, qui réalisé au niveau de Jérémie, qui coûtait plus de 300 millions de gouttes. Actuellement, deuxième phase de la pral exécuté parce que contrat a signé déjà, c'est Finland qui pral mobiliser toute infrastructure li, et deuxième phase à créer les lignes distribution a coûté 260 millions de gouttes. C'est ça qui dit dans le contrat. Que prend au niveau de Akin, première phase adduction finie, eh bien, deuxième phase là, Gantan, en exécution. Que prend tant d'autres côtés encore, actuellement, Cabaret et Akaye, avec un film que nous engageons, eh bien, à hauteur de 500 000 dollars, eh bien, n'a ouais, si nous capable d'augmenter la disponibilité de l'eau au niveau du réservoir de 500 mètres cubes là de Akaye et au niveau du réservoir de 1000 mètres cubes là qui joignent encore au financement coopération espagnole, eh bien, pour nous réaliser travaux. Eh bien, avec
coopération espagnole, eh bien, il y a 6 millions de dollars de contrats sur le temps disponible déjà pour nous réaliser travaux en champ. Eh bien, sous 6 millions de dollars, il y a 3,7 millions de dollars que nous signons contrat avec un film pour nous exécuter travaux en champ. Si route ni balai bloqué, si tout le monde bloqué, eh bien, moi risqué pour trouver une situation pour contrat ça à camper. Et puis pour qu'on la retourne en Espagne, parce que moi j'ai une limite de temps que je dois respecter. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.